Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et ce sera mon tuto 233. Alors le sujet du cours aujourd'hui, ça va pas être de travailler un morceau spécifique d'un artiste, c'est la petite nouveauté à partir de maintenant, c'est qu'en fait on va travailler donc aujourd'hui le solfège rythmique. Maintenant je vous ferai apparaître à l'écran la partie rythmique que l'on joue à la guitare. Donc pour bien comprendre de quoi il s'agit, aujourd'hui, je vais vous présenter donc 4 accords de base, vu que c'est un petit peu aussi les sujets qu'on traite en ce moment, les chansons faciles avec 2, 3, 4 accords. Je vais vous montrer les diagrammes et je vais vous présenter 5 figures rythmiques pour essayer de vous expliquer un petit peu ce que sont les rondes, les noires, les croches. Alors on perd pas de temps, on y va. Donc je vous présente d'abord les 4 accords sur lesquels on va travailler. Do majeur, donc le diagramme s'affiche à l'écran. J'espère vraiment que maintenant ces accords de base là vous les connaissez, sinon je vous renvoie à ma playlist bien débuter la guitare. Deuxième accord sol, pourquoi pas à 4 doigts, ça pourrait être à 3 doigts. On va faire un la mineur, hop, et un mi mineur. Voilà, donc vraiment 4 accords de base, d'accord? Donc on va commencer par la figure rythmique la plus longue, entre guillemets, c'est la ronde. Alors la ronde vaut 4 temps. Alors déjà en fait 4 temps c'est quoi? Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un métronome et on va essayer de percevoir cette notion de 4 temps. On y va. Alors j'ai mis le métronome à 60. Et en fait, si vous entendez bien, tous les 4 temps, il y a un ting. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qu'il faut retenir sur le 4 temps, en fait, c'est que c'est la métrique la plus utilisée dans les musiques modernes, d'accord? Donc, Do en ronde, 1, 2, 3, 4. Sur le 1 suivant, j'attaque mon Sol, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je pourrais recommencer ma boucle. Je vous invite, si vous n'avez pas de métronome ou de boîte à rythme, à battre du pied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vous fais apparaître à l'écran la figure rythmique de la ronde. Donc en fait, c'est un rond. La ronde, c'est un rond. Je vous ai mis un petit B en dessous. Ça veut dire qu'on attaque vers le bas. Pour les coups de médiator qui remontent, ça sera le H pour O. Donc B, coup de médiator vers le bas, H. Coup de médiator qui remonte vers le haut, d'accord? Donc là, pour la ronde, pas de souci, on fait que des coups vers le bas. Je vous fais maintenant avec le métronome exactement ce qu'on a fait à l'instant. Do, Sol, La mineur, Mi mineur, en ronde. 1, 2, 3, 4. Do, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je suis sur Do. Maintenant, la deuxième figure rythmique que l'on va étudier aujourd'hui, ça va être la blanche. La blanche vaut 2 temps. Donc comme on est sur des mesures à 4-4, c'est-à-dire à 4 temps, comme la blanche vaut 2 temps, il m'en faut 2 pour remplir ma mesure. La blanche, tout simplement, c'est comme une ronde, un rond, avec une queue ou une hampe. On y va sur le Do, Sol, La mineur, et Mi mineur, cette fois-ci, sans le métronome, 3, 4, je compte jusqu'à 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et je recommence sur le Do. Alors là, j'ai compté 1, 2, 1, 2 pour vraiment vous compreniez bien cette notion de deux temps. Mais réellement, il faudrait compter 1, 2, et je rattaque sur le 3. 3, 4, j'y vais. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1. D'accord? Là, vous voyez qu'il y a un B en dessous chaque blanche, donc ça correspond à des attaques vers le bas. Maintenant, on travaille la noire.
elle apparaît à l'écran. La noire, c'est comme une blanche, c'est-à-dire un rond avec une queue ou une hampe, mais le rond est coloré en noir. Alors la noire vaut un temps, donc sur une mesure à 4 temps, il faut l'attaquer 4 fois pour remplir la mesure. On y va, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je recommence sur mon dos. D'accord ? En fait, la noire tombe avec les battements. Là encore, on attaque tout vers le bas. Dès qu'on arrive au croche, vous allez voir deux possibilités. Alors la croche vaut un demi-temps. Donc l'idée, c'est que les temps sont là. 1, 2, 3, 4. L'idée, ça va être de diviser le temps par deux, en deux parties égales. Donc soit on va compter 1 et 2 et 3 et 4 et... Ce qui est bien en comptant comme ça, les 1 et 2 et, etc., c'est qu'on a toujours notre relation au temps, à la noire. 1 et 2 et 3. Ceci dit, on peut aussi compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vu qu'une croche vaut un demi-temps, il en faut 2 pour faire un temps. Donc là où on avait 4 noirs tout à l'heure, il nous en faut 8 pour remplir la mesure. Donc, premier exemple, 8 croches, tout vers le bas, donc avec des B. 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Maintenant, je fais exactement la même chose, mais en comptant 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que dès qu'on arrive sur des figures rythmiques en croche ou en double croche, souvent, alors ça dépend du tempo, si le tempo est très rapide ou pas, mais souvent sur la dernière croche, on lève les doigts pour transitionner. Si vous suivez mes vidéos, on en a déjà parlé plein de fois. Je vais refaire ça très lentement, regardez bien ce qui se passe sur ma 8e croche. Je lève mes doigts et j'attaque pas trop fort pour transitionner. Je vais le faire uniquement de Do à Sol. 3 et 4 et 1. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, etc. Si je compte par 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. D'accord ? Donc là, pour mes croches, tout était vers le bas. Maintenant, en aller-retour, bas, haut, bas, haut. Toujours de manière de compter, 1, et 2, et... ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cette fois-ci, je vais le faire avec le métronome. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, je lève. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Alors pour finir ce cours, je vous montre encore deux figures rythmiques, un mélange de ce qu'on a déjà vu. Je vais vous faire deux noirs, quatre croches, d'accord ? Donc là, je vais faire bas, bas pour les noirs, et pour les croches, bas, haut, bas, haut. Et sur la 8e croche, ou sur le et du 4, je vais lever mes doigts pour transitionner. Je vais mettre le tempo un petit peu plus rapide à 80. 1, 2, 3, 4... Encore une fois. Donc pour la rythmique que je viens juste de vous jouer, si on comptait, ça ferait 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et au niveau des coups de médiator, bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut. La dernière figure rythmique que je vous montre aujourd'hui, c'est le rythme que je vous ai proposé il y a quelques jours sur le morceau Love Me Do des Beatles. Alors,
le rythme apparaît à l'écran. Donc là, on a en fait, si on regarde bien, une noire et six croches. Donc, si vous regardez aussi, il y a une petite liaison, mais je vais en parler après. Donc, une noire et six croches, on pourrait compter 1, 2 et 3 et 4 et 1. 2 et 3 et 4 et 1. OK ? Maintenant, si on pense les coups de médiator, ça donnerait bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. OK ? Mais on peut voir qu'il y a une liaison entre le deuxième et le troisième temps sur le « et » du deuxième temps, en fait. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va faire « bas, bas, haut ». La croche suivante du troisième temps, on ne va pas la rattaquer. Et donc, comme on rattaque sur le « et » du troisième temps, on rattaque en remontant. Donc là, en fait, on va compter 1, 2, et 4, et 1, 2, et 4, et. D'accord ? Au niveau des coups de médiator, « bas, bas, haut ». Au bas, au bas, bas, haut, au bas, haut. Je vous montre donc cette rythmique noire à 80 avec le métronome, toujours sur les accords Do, Sol, La mineur et Mi mineur. On y va. 1, 2, 3, 4. Voilà les amis, donc voilà ce qui vous attend pour les prochains tutos, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler nos sujets traditionnels, mais en plus des diagrammes d'accords et des grilles d'accords que je vous fais apparaître à l'écran maintenant depuis plusieurs mois, il y aura ça de temps en temps aussi qui apparaîtra à l'écran pour vous aider à mieux comprendre ce que vous faites. Donc mon conseil déjà dans un premier temps, c'est quand vous jouez, essayez de battre du pied pour simuler un métronome. Et essayez de compter, essayez de vous dire, mais cette attaque-là, combien de temps elle dure? Est-ce qu'elle dure deux temps, un temps, un demi-temps, un quart de temps? Un petit clin d'œil aussi à Coluche, vu que ça fait 30 ans qu'il est mort. Donc je vous renvoie, je vous mets un petit lien. Pourquoi pas, si vous avez envie d'apprendre la chanson des restos écrite par Goldman, c'est un tuto que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, hein. Donc je l'ai fait en tuto, il est à votre disposition, donc n'hésitez pas, petite pensée à Coluche. Et puis, bah, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, faites des likes. À très bientôt les amis, bonne musique et éclatez-vous. Salut !